Monsieur Café Lyon, Diakar Bobo, bourgmestre intérimaire dans la commune de Makala. Diakar, la meilleure concernant l'activité qui s'est déroulée aujourd'hui, quelles sont vos impressions, justement, de vous? C'est d'abord un sentiment de satisfaction parce que ça démontre la suffisance, la sollicitude particulière qu'accorde le gouvernement de la République à l'essor des entités territoriales décentralisées. Le gouvernement de la République avait adopté le programme intégré d'urgence et développement communautaire. Ce programme avait pour objectif d'accompagner les entités territoriales pour une gouvernance communautaire, faire la promotion de la gouvernance participative ainsi que la promotion de l'initiation de la filière locale. Alors, par rapport à ces programmes, il a plu raisonnablement au ministère des Affaires sociales de consolider ses acquis de la première conférence de manière à ce que nous puissions voir comment mobiliser les différents partenaires avec des options très pratiques pour le financement des projets intégrateurs au niveau du développement des entités territoriales décentralisées. Est-ce que les bourgmestres se sont suffisamment outillés pour faire face à cette exigence? Nous pensons très bien qu'avec l'arrêté interministériel qui vient d'être signé par le ministre des Finances et celui de la décentralisation des budgets, les ministres auront des moyens suffisants pour disposer d'air politique afin de permettre d'atteindre les objectifs qui leur sont assignés. Et que pensez-vous proposer à tout cela? Oui, ma proposition, elle est la suivante, c'est qu'il y ait aujourd'hui une forte mobilisation des recettes et surtout qu'on puisse normalement rétrocéder de manière permanente aux entités territoriales décentralisées. Ça serait une fois de leur donner les moyens de faire face aux différents défis qui sont les nôtres. Et deuxièmement, qu'on puisse porter la modification de l'ordonnance loi numéro 18004 du 13 mars 2018 qui fixe la nomenclature et leurs modalités de répartition, ce qui pourrait permettre de faire quand même un déséquilibre au plan financier et pousser vraiment les développements au niveau des entités territoriales décentralisées. D'accord, merci beaucoup. Merci.